Ouais, paix à son âme. Chacha Ike Destiny et Tiko et d'autres actrices nigériennes ont accompagné Rita. Bienvenue encore si je suis une civile une fois de plus. Merci de vous arrêter là. Merci de liker et de partager cette vidéo au maximum. Ah oui, Jessinus est de retour. AKA Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah oui, vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo. Ça, déposez vos valises, vos bagages, vos Ghana must go. Et vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo. Ça, oui, ici, nous sommes spécialisés en Congo. Ça, nous voyons, nous parlons surtout sur les médias. Donc, nous allons commencer avec notre petit Congo du jour. Ceux qui ne connaissent pas Rita Dominique, c'est une actrice nigériane, oui. Une des légendes du Nollywood, ok? Et nous avons fait plusieurs vidéos ici concernant cette actrice. Même au moment où les gens sortaient sur les médias, les gens pointaient le doigt. Oh maman, tu ne sais pas que tu deviens déjà vieille. Tu ne sais pas que tu as 45 ans et puis tu n'es pas mariée. Ceci, c'est là, maman. On lui tirait de gauche et à droite jusqu'à un temps même, il a fallu qu'elle coule les larmes sur les médias, ses copines, et elles, ils ont dit, laissez même Rita respirer, non? Est-ce que le mariage, c'est quelque chose que quelqu'un doit aller, comme si les gens ont parlé, sans connaître que notre tantite préférée voyait un plantain, maman. On reste un jour, on voit seulement la photo sur les médias, pam, photo de fiançailles. Et puis, depuis ce moment, on a pu voir la photo de son mari ou bien son fiancé sur les médias, maman. Et vous connaissez ce qui se passe donc sur les médias présentement. Pour ceux qui n'ont pas vu des vidéos concernant le fiançaille de notre tantine préférée, Rita Dominique, pour les nouveaux abonnés, allez juste sur ma chaîne, vous allez trouver plusieurs vidéos. On a fait concernant notre tantine préférée, son fiancé, ok? Bon, la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour vous présenter le deuil de sa belle-mère, ok? Bon, j'ai vu plusieurs photos hier sur les médias, je me posais la question, mais, ah, Destiny et Tiko, Chacha Ike, Queen et d'autres, ils partent que où, maman? Jusqu'à ce qu'ils ont cousu les mêmes habillements et tout, maman. Comme Miss Congo veut toujours connaître tout, j'ai fait un peu de recherches, j'ai atterri partout avec ma jet privée et ensuite, j'ai su que non, notre tantine Rita Dominique, elle enterrait sa belle-mère. Et plusieurs personnes confirment que notre tantine a déjà été mariée avec son fiancé, la maman, qu'elle n'a pas voulu mettre sur les médias parce que, vous connaissez déjà que dans l'affaire de Nollywood là, quand les actrices la mettent déjà leur mari sur les médias, maman, ça devient que les histoires sur histoires. Il y a même certaines personnes qui vont même aller inbox même pour dire, ah, le plantain de Rita, est-ce que tu peux venir manger mon haricot cadeau, maman? Donc, notre tantine, elle s'est déjà mariée, selon ce que j'entends sur les médias, qu'elle s'est déjà mariée jusqu'à ce que la mariée, que sa belle-mère l'aimait, elle a dit, non, je ne peux pas rester sans organiser un enterrement très classe pour ma belle-mère. Et elle a invité certaines actrices nigérianes de Nollywood, là. Ils sont allés l'accompagner comme Destiny et Tiko. Elle était là, maman Dramadol était là, Chacha Ike était là, Queen était là, il y a plusieurs d'eux qui l'ont accompagné à l'enterrement de sa belle-mère, quoi. Bon, je vais laisser certaines vidéos ici pour vous de voir. Il y avait même aussi Junior Pope, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un acteur nigérian aussi, tellement talentueux. Donc, elle a invité certains VIP, non? Donc, les gens que vous connaissez surtout, ils étaient là-bas au deuil, ils ont faroté, ils ont fait des trucs de tradition et tout. Je vais juste vous laisser écouter à certaines vidéos. Il y avait aussi la danse de sa maman, ils ont dansé, ils ont faroté. Vous connaissez, non? Quand les Nigériens font pour eux, le deuil, c'est toujours comme si c'était une célébration de quoi, je ne sais.
Bon, je vais vous laisser écouter à certaines vidéos ou regarder à certaines vidéos. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez sur les commentaires, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont les yeux, maman. Mais ce n'est pas Josie qui doit dire dans cette vidéo jusqu'à ce qu'on nous confirme que voilà. Pour ceux qui comprennent, ils ont compris. Et pour ceux qui ont compris ce que je vais par là dire, laissez-moi sur les commentaires. Oui, pour ceux qui ont les yeux. Et ils vont voir et ils vont me laisser sur les commentaires. Ah, Mafmide, Josie, non, je te donne le chapeau. En tout cas, regardez bien là. Josie, hey, ferme ta bouche. Ça nous amène à la fin de cette vidéo. Je vous laisse regarder à certaines vidéos. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez sur les commentaires. Et n'oubliez pas de suivre notre page Facebook. Oui, appelée Miss Kongosa International. Je vous aime comme toujours et bisous à tous. N'oubliez pas surtout, s'il vous plaît, likez-moi la page là. Ah, les Miss Congo, je vais parler jusqu'à tous les jours. Je vais dire, likez la page tous les jours. Suivez-nous vous-même là, avec les nos tantines ici là, nos préférés ici là. Allez même suivre cette page, non maman. Mon profil là, je suis en rouge, s'il vous plaît.